Qui sont-ils? Ces 50 badauds qui déambulent sur le port de pêche quasi désert à 6h du matin. À les entendre, ils viennent innocemment visiter Kairouan. On en profite pour visiter le port et après, on a une représentation théâtrale. Là, c'est la grande surprise. On va voir ce que ça donne, mais on trouve ça très sympa d'être là à cette heure-là. Acteurs et musiciens sortent de nulle part et entraînent le public dans un nouvel univers. La visite est finie. Bienvenue dans un polar de Simenon. La fiction va tout d'un coup prendre le pas. Donc tout d'un coup, les personnages qu'ils auront probablement croisés dans la visite, tout d'un coup, vont émerger en tant que personnages, en tant que figures. Et en fait, il va y avoir un trouble, enfin, nous souhaitons, qu'il y ait un trouble entre fiction et réalité. Le port devient le théâtre d'une histoire d'amour entre Tony, un pêcheur de Kairouan, et André, la femme d'un poissonnier. C'est vrai que tu pourrais passer toute ta vie avec moi! Les témoins matinaux suivent ses amants frénétiques dans l'intrigue. Survient la mort suspecte du mari d'André et l'empoisonnement de la femme de Tony. L'enquête policière, le procès, jusqu'au lever du jour, les spectateurs vivent des scènes plus vraies que nature. C'est quoi, on est vraiment dans l'affaire. Moi, je pense qu'ils sont innocents. J'en suis sûr, c'est la belle-mère qui est dans le coup. Mais enfin, voilà, ça a été jugé, on attend l'appel maintenant. Fin de l'intrigue, 9h. Les spectateurs peuvent commencer leur journée normalement et essayer de trouver le vrai coupable. Voilà, on a rendu hommage ce soir. Donc...